Le défi du 1. En ce 1 du 1. Par ce défi, la vie vous demande de cultiver une certaine originalité. Et si vous deveniez un personnage que l'on a envie de découvrir, de connaître ? Le nombre 1, d'après la tradition, symbolise le soleil. Devenez cet astre pour les autres, celui qui dispense de la chaleur sans brûler, celui qui sait donner, éclairer et amener la vie. Ce défi 1 relevé, vous développerez une personnalité forte et rayonnante. Et pourtant, un danger vous guette. C'est celui de tomber dans l'excès et de vous imposer d'une façon immodérée, voire autoritaire, avec parfois un manque de respect des autres. Il faudra donc trouver l'attitude juste pour bien vous accomplir, c'est-à-dire vous affirmer. Devenir un numéro 1 dans votre vie. Apprendre à être un personnage de décision et d'action. Il s'agira donc de jouer un rôle. En réalité, de vous rapprocher de qui vous êtes profondément. Dans un premier temps, on parle de personnage. Parce que, hélas, cela n'est pas inné que de jouer ce rôle de personnage central dans notre vie. Alors, revenez au centre de vous-même, sans être égoïste pour autant, sans être égocentrique pour autant. Reconnectez-vous à votre puissance, à votre pouvoir personnel. Le 1 marque le début d'un cycle. C'est le commencement. Une nouvelle page qui s'écrit, un nouveau chapitre qui commence. Pour profiter au mieux des énergies du 1, dès aujourd'hui, définissez vos priorités. Ensemble, déblayons le chemin selon quatre axes principaux. Répondez aux questions suivantes. Laissez dans un premier temps le mental réfléchir peut-être et vous proposer des réponses. Ensuite, prenez une profonde respiration et laissez venir à vous les réponses de l'inconscient. Sentez si ces réponses vibrent en vous. Faites confiance en votre corps énergétique, en votre corps physique. Et traduisez les vibrations ressenties dans votre corps physique. Comme la validation de certaines réponses reçues. Premier axe. Le travail. Si ces derniers temps, rien ne se passe comme vous l'espérez, il vous est possible d'envisager un changement. Alors respirez profondément. Quelles sont désormais vos priorités au niveau du travail ?
Deuxième axe, l'amour. Envisagez l'amour sous toutes ses formes. À partir d'aujourd'hui, quelles sont vos priorités? Troisième axe, la santé. Nous rêvons tous d'une énergie débordante. Aujourd'hui, quelles sont vos priorités concernant votre santé? Quatrième axe, l'argent. Considérez l'argent comme une énergie. Quelles sont vos priorités? Et en toile de fond, je vous invite à relever vos priorités en ce qui concerne votre évolution spirituelle. Quelles sont vos priorités? Vous savez, rien n'est figé dans le temps et vous pouvez ajuster ses priorités au fil des jours, des semaines ou des mois. Je vous souhaite à tous un beau défi, le défi du 1, pour retrouver votre puissance personnelle. Merci.